Coucou tout le monde, eh bien écoutez, jamais 203. Ça fait la troisième fois que je recommence ma vidéo. Je suis verte. Je suis verte. La première fois, il s'est arrêté. La deuxième fois, il est tombé. Donc, oh là là, la galère ce matin. Je crois que je vais retourner au jardin parce que c'est dingue, quoi. Bon, vaut mieux prendre ça avec philosophie, hein, des choses bien plus graves, hein. Donc voilà, je voulais vous dire, j'avais fait passer une commande chez Daniel Création. Une commande de dentelle, hein. Donc j'ai refait un petit stock et donc je voulais présenter son colis qui est superbement bien emballé. J'ai encore tout ça déballé, donc voilà. Et puis fait avec soin, bien évidemment. Et à l'intérieur, un petit cadeau ici, une rose parfumée et un petit sachet de senteur à la rose. Donc, eh ben, écoutez, je suis vraiment désolée, mais bon, il va falloir que je recommence pour une troisième fois. Donc, tout était super bien emballé, comme ça, dans des petits pochons. Voilà. Hein. Donc, eh ben, voilà, je recommence. Et bon. Bon, j'espère que ça va aller cette fois, parce que hein, sinon, je vais prendre des photos. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est une dentelle ancienne, pardon. Et celle-là, j'aime beaucoup. Couleur écrue, un peu. Bi. Celle-ci, ben voilà, hein, vous voyez, c'est super beau. Celle-ci, elle est rose poudrée. Moi, j'adore celle-ci, elle est toute mignonne. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, je reprends mon calme, hein, parce que bon, ça a rien de s'énerver. Comme je vous dis, il y a des choses bien plus graves que ça. Et une dentelle anglaise, un peu couleur champagne ici. Donc, j'essaierai de vous mettre son lien en barre d'infos. Si je n'y arrive pas, elle mettra un commentaire sous la vidéo, si j'arrive à la faire, bien sûr. Et comme ça, vous pourrez la contacter. Mais bon, je vais essayer, parce que bon, je suis pas, c'est pas mon fort. Et tout sent très bon, hein, c'est un pur bonheur. Donc là, j'ai pris des dentelles anglaises, mais blanches. Donc, j'en ai pris de l'eau, parce que ça, j'en consomme. Ah, voilà. Et celle-ci qui est toute fine, moi j'aime bien, pour faire des petites pendouillettes, là, vous savez, sur les rosaces, etc. Celle-ci, je l'avais déjà prise et je l'aime beaucoup. Pour mettre sur les tranches d'album, ça peut être très très sympa. Elle a une couleur un peu écrue comme ça. Donc voilà. Après, ben, j'avais commandé... Ah oui, j'ai commandé ça aussi. Ça, j'aime bien aussi. Vous voyez, pour faire des boîtes, pour faire, je sais pas moi, des boîtes, oui, des boîtes comme ça. Après, vous mettez ça autour, tout de suite ça habille, quoi, je veux dire. Hein. Donc voilà. Et elle est un peu élastique, donc c'est parfait. Moi, j'en ai pris de l'eau aussi de celle-ci. Vous voyez, à chaque fois, il y a un petit rose, un petit. Tout est nickel. Elle est toujours emballée dans des petits sacs comme ça de congèle. Hein. Voilà, et après j'ai pris deux lots d'appliques. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais vous remontrer. Voilà, j'essaie de ne pas bouger parce que je pense que mon portable il commence à fatiguer. Et bon, aujourd'hui c'est pas ma journée, je crois que je vais retourner au jardin rapidement parce que aujourd'hui je n'ai rien faire de bon dans mon atelier. Quand ça démarre comme ça, mais bon, ça me fait sourire parce que. C'est pas... Quand c'est comme ça, c'est fou, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de choses super sympas. Donc, ça, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes que celle-ci. J'aime bien. J'aime beaucoup celle-là, regardez. Oh, non, pas que je rebouche, on sent. Voilà. Vous voyez, elles sont un petit côté bombé, là. Je trouve qu'elles sont très belles. Voilà. Donc, là, il y en a plusieurs aussi. Bon, je vais mettre ça de côté. Je vais vous montrer un peu tout ça. Quand même, je vous les montre. Hein. Voilà. Il y a de quoi faire, hein, franchement. Fou, quoi, tout ce qu'il y a. Ça peut être sympa sous des choses un peu vintage. Comme ça. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, du coup. Hein. Celle-ci, je ne sais plus où j'en suis avec ça. Vous pouvez mettre des choses, vous voyez. Comme ça se marie bien, quoi, tout de suite. Hein. Sur des tags en tissu, des cartes en tissu, j'adore faire les cartes en tissu. Voilà, il y a plein de petites fleurs, encore des petites comme ça. Je les adore, celles-là, sont trop belles. Ah, ça se casse partout, quoi, je veux dire. Vous voyez? Faire de la place.
coup, je vais un petit peu plus vite. Parce que j'ai peur qu'elle se coupe. Vous allez dire, elle est tout le temps en train de... Avec son vieux téléphone, là. Il va falloir que j'investisse. Bon, vous voyez, il y a tout ça, encore. Voilà. Donc, hein, il y a de quoi faire, hein, franchement. Ça, et puis encore celle-ci. Ça aussi, c'est marrant. Donc, voilà. Après, j'en ai un autre sachet, ici. J'ai pris deux sachets d'appliques, parce que moi, j'aime bien les appliques. On en met partout, mais... Donc, je vais me faire une boîte appliques. J'en ai déjà une, mais elle n'est pas assez grande, maintenant. Donc, je vais me faire juste une boîte appliques pour mettre les appliques. Vous voyez, tout est super bien emballé, hein, à chaque fois. Alors, bon, voyons voir. Donc, ça, c'est des comme ça. Ça... C'est les mêmes. C'est le même, même style. Des petites... voilà. Regardez ça, si c'est mignon aussi, ça. Voilà. Celle-ci, c'est la même. Encore des petites comme ça. Moi, j'adore ça. Je vais m'en servir pas mal, hein, de celle-ci. Ça, j'aime bien. Je ne vais pas dire que c'est mes préférés, mais presque. Voilà, une petite fleur. Oh là là, tout ce qu'il y a. C'est fou, hein. Regarde s'il filme toujours, quand même. Encore des comme ça. C'est les mêmes. Non, ça, c'est un petit truc qu'on apprend. Un petit truc au crochet, regardez. C'est encore les petites fleurs comme ça. Ça, ça se casse partout. Ça, c'est très sympa. Là. Ça aussi, c'est joli, ça. Bon, je vais les mettre tout ensemble. De toute façon, elles vont aller dans une boîte. Donc, voilà. Je vais pas les remettre dans les sachets. Voilà. C'est un peu plus épais, mais sur des junk ou des choses comme ça, ça passe. Hein. Très sympa. Et ça aussi, je trouve ça très sympa. Regardez. Voilà. Oups, un petit cœur. Petite bandoulette. Et un petit truc. Donc voilà, tout ça, ça c'est des lots d'appliques. Donc j'avais pris deux lots. Alors, ben, bien sûr, il y a des petits cadeaux. Hein. M'a mis un lot de cadeaux ici. On va regarder. Il va falloir que je range tout ça. Elle m'a mis un petit mot. Okay. Donc voilà. Et donc ça, c'est des cadeaux. Regardez, c'est sympa, hein. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup, Daniel. Voilà, regardez, ça aussi c'est bien pratique pour les boîtes, hein. Vous voyez, c'est super chouette, et celle-ci aussi est magnifique cadeau, c'est sympa, hein. Merci, merci beaucoup. Vous voyez, ça fait un peu rose aussi, plus saumonné là, ça fait pas rose poudré. Mais je la trouve très jolie, elle est très fine, elle est belle. Voilà, et puis ben, j'ai encore d'autres cadeaux, mais je pense que je vais arrêter là la vidéo, déjà pour protéger celle-ci, pour pas que je recommence. Et puis je vous retrouve pour la suite, hein, on fait comme ça, sinon j'ai peur que ça recoupe. Et comme j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, je préfère la faire en deux fois. Donc voilà, bon, je vous dis à tout de suite, bye bye.